Après, le gouvernement Canada a fini par sanction contre même dans l'élite économique haïtienne. Jeudi 21 septembre, le gouvernement américain a annoncé tout. Il a sanctionné quelques personnes qui travaillent pour créer la trouble dans le pays. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé vendredi 22 septembre les États-Unis prennent sanction contre 5 autres personnalités en Haïti à cause d'implication dans les actes de violence gang criminelle. Cependant, les pas non. Mounsa yo pa ka rentrer sous territoire américain. Monsieur Blinken déclaré, États-Unis a continué à mander responsables haïtiens yo compte à cause y a soutenu zak violence yo ak instabilité kap mette démocratie pays en danger.